Et ça a déjà commencé, donc salut à tous, j'espère que vous allez bien, et surtout que vous êtes en bonne santé. Je pense que ça va devenir la nouvelle intro à force. Enfin bon, aujourd'hui est un jour un peu spécial, puisque dans cette vidéo, je m'apprête à parler d'un animé dont je n'aurais jamais pensé aborder le cas un jour. Et pourtant, c'est arrivé, aujourd'hui on va faire un zoom sur My Hero Academia, sans accent. D'ailleurs, personne ne le dit avec accent. Mais donc, maintenant que j'ai fini la saison 4 et que je me suis mis à jour au niveau de l'animé, je vais enfin pouvoir dans un premier temps vous le présenter, car je suis certain qu'il y a quand même quelques personnes qui connaissent de nom mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Ensuite, j'en profiterai pour donner mon avis sur la série, qui est pour l'instant... mitigée. Et enfin, comme j'ai l'habitude de faire, on parlera de la suite de l'œuvre sous tous ses formats, donc animé et manga compris. Mais n'oublie pas que si la vidéo dans son intégralité te plaît, tu peux alors mettre un like et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, après tu le fais dans l'ordre que tu veux. Et bien sûr, je m'excuse à tous mes abonnés qui ont dû subir cette séquence. Mais donc, sur ce, lançons l'intro. My Hero Academia est un shonen qui a pour genre action, science fantasy et super-héros. L'œuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Kohei Hirokoshi en 2014 et a été prépublié dans le Shonen Jump, le magazine de prépublication phare de la Japanimation, qui a accueilli et continue toujours d'accueillir des œuvres comme Dr. Stone ou The Promised Neverland. Le manga continue toujours de paraître aujourd'hui et compte à l'heure actuelle un total de 26 volumes. Ensuite arrive l'adaptation animée de l'œuvre qui se verra répartie entre plusieurs saisons, toutes sorties entre 2016 et 2020. Également deux films sont sortis, le premier se nommant Two Hero, qui se situe entre la saison 2 et 3, et l'autre qui s'appelle Heroes Rising, sorti en fin 2019. L'anime a été fait par les studios Bones et est licencié de partout en France par ADN. Au final, la série comptabilise donc un total de 88 épisodes pour 4 saisons. My Hero Academia nous plonge dans un monde où 80% de la population mondiale est détenteur de super pouvoirs, qui sont ici nommés des Alters, dont l'origine n'est d'ailleurs pas encore expliquée dans l'anime. Dans ce monde, la société est régie de sorte à faire que les super-héros deviennent des symboles et des acteurs mondiaux, car ce n'est pas parce que 80% de la population a des pouvoirs que tout le monde fait comme il veut. La société est organisée et structurée. Les super-héros travaillent au sein d'agences faites pour certaines catégories de sauvetage, et ils n'auront le droit d'exercer dès lors qu'ils obtiendront leur passe en passant un examen. Et même cela une fois fait, il n'est pas sans oublier que c'est la police qui fait régner la loi. Donc les super-héros ne sont que en soutien dès lorsqu'il y a des complications ou des criminels dotés d'altères. Dans tout ça, il existe un symbole de paix, un symbole tellement grand qu'il dissuade la plupart des vilains d'agir. Ce symbole, c'est All Might, le numéro 1 des héros, le seul héros qui est tellement fort qu'il sourit à chaque intervention, faisant de lui un indémodable. Il est littéralement apprécié de tout le monde. Et à partir de là, on viendra enfin à zoomer sur le personnage qui nous intéresse. J'ai nommé Izuku Midoriya, un jeune étudiant bourré de rêves et d'ambition, et en même temps très grand fan d'All Might. Sauf que dans son cas, son ambition est jugée futile, puisqu'il fait partie des 20% de la population à être né sans alter, donc sans super pouvoir. En plus de ça, il se fait martyriser par ses camarades de classe qui, eux, en ont un. Et particulièrement par son ami d'enfance, Bakugo, qui se fait un malin plaisir à le rabaisser et l'humilier quand il le peut. Un gros fils de p***, quoi. Mais Esprit Shonen se veut que, après plusieurs complications, il finira par hasard par rencontrer son idole All Might, qui, devant un acte d'héroïsme pur de la part de notre jeune protagoniste, n'a pas pu se retenir de lui donner la lueur d'espoir qu'il attendait. Lui, un type sans alter qui rêvait d'être un super-héros, allait enfin recevoir la chance qu'il n'a pas eue lors de sa naissance. Et c'est ainsi que nous suivrons Midoriya qui marchera sur les traces d'All Might, dans le but de devenir le nouveau symbole de paix qui inspirera le monde entier. Mais maintenant que les bases sont posées, il est temps d'aborder tout ça en détail.
Pour tout vous dire, au début je ne pensais vraiment pas autant apprécier My Hero Academia. J'avoue que je pensais que c'était un animé réservé aux moins de 10 ans. Mais pour une fois, je suis content d'avoir eu tort, car il s'avère qu'il est finalement très plaisant de voir l'évolution de notre jeune héros en herbe. On le voit évoluer au fil des épreuves, et à chaque fois on ne peut que féliciter ses efforts, lui qui a commencé à zéro. Après oui, l'esprit shonen est plus que présent, ce qui peut parfois rendre certaines choses illogiques, mais en soi c'est la logique shonen, donc à force on s'habitue. Mais ce que j'aime bien malgré tout ça, c'est qu'au début on commence à zéro, exactement comme Midoriya. En fait, on a juste son point de vue sur tout ce qui existe autour de lui. Nous voyons vaguement la silhouette des plus grands héros, et la société semble plutôt bien se porter. Mais au fil du temps, la vision du spectateur, comme celle du personnage principal, viendra à grandir et à s'élargir. Nous découvrirons alors les maux de la société actuelle, les gens qui s'y opposent, ou ceux qui remettent en question ses principes fondamentaux. Et tout ça viendra crescendo, donc c'est vraiment très appréciable. Notre soif d'action se verra apaisée quand on assistera aux nombreux combats de la série, ou aux fameux power-up typiques du genre shonen. Mais également, si vous êtes plus sur le genre du tranche de vie, cette tranquillité se verra exaucée quand on viendra suivre le quotidien des personnages dans l'enceinte de leur établissement scolaire. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et pour moi c'est l'une des principales forces de la série. Bien sûr, j'aurais pu parler du chara-design qui est vraiment pas mal, ou encore du développement phénoménal de certains personnages qui ne sont pourtant pas des principaux, ou encore même du champ libre que nous laisse la série à imaginer des théories sur les haltères ou sur certains autres problèmes révélés dans la série. Mais bref, My Hero Academia a été pour moi un gros kiff à regarder. Je ne dirais pas que c'est l'animé du siècle, mais il est franchement assez bon pour que vous lui donniez une chance. Et puis, dites-vous que si c'est connu, ce n'est pas pour rien. Donc maintenant la saison 4 de fini, qu'en est-il de la suite ? Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où la saison 4 c'est fini, vous pouvez reprendre au tome 21 du manga ou chapitre 191 pour les scans. Quant à une suite en animé, elle est pour l'instant d'ores et déjà confirmée. Elle a été dans le Shonen Jump du 2 avril, qui stipulait qu'elle est donc en cours de production. Mais une date quant à elle n'a pas été posée sur cette fameuse saison 5 de My Hero Academia. Ce qui est sûr, c'est que le manga fournira toujours assez pour une adaptation animée, pour vous dire qu'il est tellement en avance qu'il serait même possible de faire une saison 6. Mais bref, en ce qui concerne une possible date, beaucoup de rumeurs parlent d'une sortie en octobre 2020. Et ce n'est pas pour casser l'ambiance, mais autant vous dire que c'est limite impossible. Déjà, l'espace entre la saison 4 et 5 serait anormalement trop court pour qu'on ait de la qualité. Mais en plus, il ne faut pas oublier que nous sommes en période de pandémie. Donc tous ces facteurs réunis font que la date d'octobre 2020 est plus que pas du tout possible. Même l'année 2020 tout court est pas très probable. C'est pour ça que je suis plus penché du côté de ceux qui disent que ça sortira en début 2021, c'est-à-dire entre janvier et avril. Mais la principale chose qu'on puisse faire actuellement est d'attendre un éclaircissement de la part des studios, ou commencer directement le manga pour les impatients. Mais en cas de toute annonce des studios ou autre information, je vous informerai de tout ça en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.